L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Proxim, 79 de la Fabrique Montmagny, 418-248-5595. La pharmacie Proxim, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxim Montmagny, 418-248-5595. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mardi 15 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'ex-maire Jean-Claude Croteau est décédé. La route Fortune était de passage à Montmagny. Important rappel de saucisses à travers le Canada en raison de la présence d'os. Une promotion pour les entreprises offerte par le Festival de Loire-Blanche. Les jeunes de la maison des jeunes de l'Île-et-Nord prêchent l'exemple. 4 médailles au World Beer Awards pour le Corsaire de Lévis. Un vent de plaisir pour le loisir de vivre à la Pocatière. Et côté sport, 2 élèves du CSA montent sur le podium lors d'un championnat d'athlétisme du Canada. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Jean-Claude Croteau, qui a été échevin de la ville de Montmagny de 1989 à 1993 et maire de 1993 à 2005, est décédé à la suite d'une longue maladie. Il est trop tôt pour savoir où et quand auront lieu les obsèques et comment la ville de Montmagny lui rendra un dernier hommage. Cependant, après l'annonce de la mort de l'ex-juge Yvon Mercier, qui nous a quittés la semaine dernière, Montmagny perd un autre de ses bâtisseurs. En plus de laisser sa famille dans le deuil, c'est toute la population magny-montoise qui est présentement chagrinée à la suite de son départ. Fort à parier que plusieurs personnes l'ayant côtoyé voudront lui rendre un dernier hommage d'ici les funérailles. Nous aurons plus de détails au cours de la journée sur le décès de M. Croteau et un reportage devrait être présenté demain sur nos ondes. C'est samedi dernier, l'après-midi, que l'équipe de la pétillante Annick Dumontet de la Route Fortune chez vous était de passage à Montmagny afin de faire tourner leur célèbre roue à Mme Doris Bois de Saint-Jean-Port-Joli. La thématique choisie pour le tournage est celle des champs d'argousiers, situés au 351 Chemin des Sucreries à Montmagny. Annick et son équipe sillonnent ainsi les routes du Québec pour aller faire des heureux. Les participants qui ont la chance de tourner la populaire roue sont assurés de remporter un lot allant de 25 000 à 1 million de dollars. Plus d'une cinquantaine de membres de la famille et amis de Mme Bois étaient présents pour l'occasion. Et c'est d'ailleurs avec enthousiasme que ces derniers ont collaboré avec l'équipe de la Route Fortune, des êtres extrêmement sympathiques avec qui ils ont eu un malin plaisir. Mme Bois était très enthousiaste du lot remporté et ne pouvait quitter son chèque des yeux, puisque c'était la première fois qu'elle détenait dans ses mains un chèque d'un tel montant, soit 40 000 $. Rappelons que depuis le 22 mai, le segment Route de Fortune chez vous passe les lundis, mardis et mercredis après sucré-salé vers 18h56. Il s'agit d'une des émissions les plus populaires de TVA.
Ainsi, nous devrions voir Mme Bois à la télévision le 28 août prochain. Nous avons pu réaliser une entrevue avec Mme Dumontet samedi après-midi, entrevue qui sera diffusée demain sur nos ondes. Maple Lodge Farms Limited, en collaboration avec Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments, procède actuellement au rappel des saucisses de Francfort de poulet de marque Maple Lodge Farms et des saucisses de Francfort de poulet de marque Zabiha Halal. Selon toute vraisemblance, des fragments d'os pourraient se retrouver dans ces produits. L'avis a été émis le 11 août 2017 et la date code inscrite sur les emballages est 2017.AU.27. Tel que précisé sur le site de Santé Canada, ce rappel est de portée nationale. Des produits fautifs auraient été vendus aux quatre coins du Canada. Jusqu'à présent, un consommateur aurait été blessé par ces produits. Évidemment, Santé Canada demande aux gens possédant les dites saucisses de les jeter ou de les ramener au magasin afin d'éviter d'autres incidents. Les produits précisément visés par ce rappel sont le nom de la marque Maple Lodge Farms, le nom usuel saucisse de Francfort de poulet Big Original, format 450 grammes, code sur le produit 2017.AU.27. Et l'autre, nom de la marque Zabiha Halal, nom usuel super original saucisse de Francfort de poulet, format 450 grammes. En terminant, notez que l'Agence canadienne d'inspection des aliments procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produits à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour des avis de rappel d'aliments. Pour une deuxième année, des jeunes du groupe de collectivité de la Maison des jeunes de l'Île-et-Nord ont prêté main-forte à l'équipe en sécurité alimentaire « Soupe au bouton » de la CDC ici, Montmagny-Lillet, durant la saison estivale. À cet effet, ces derniers ont entretenu les trois bacs potagers devant la Maison communautaire Joly, ainsi qu'un espace au jardin communautaire de Saint-Jean-Port-Joly. Les récoltes sont par la suite acheminées aux comptoirs alimentaires de l'équipe afin d'apporter une belle variété de légumes aux familles et aux personnes dans le besoin de toute la MRC de Lillet. Les jeunes sont aussi impliqués au comptoir alimentaire au niveau du tri de denrées, du montage de paniers, ainsi que du portionnage, sans oublier l'apprentissage de plusieurs notions en hygiène et salubrité et en lutte au gaspillage alimentaire. D'ailleurs, l'année passée, 8 jeunes s'étaient impliqués et plus d'une centaine de livres de légumes ont été récoltés afin d'être redistribués par la suite. Un gros bravo à Collectivité. Pour toute information, il est possible de contacter la CDC au 418-358-6001. Tout va très bien pour la microbrasserie Le Corsaire de Lévis, puisque cette dernière a gagné récemment 4 prix au World Beer Awards de Londres, la plus prestigieuse compétition de la sorte sur la planète, notamment pour la Kirk, qui a obtenu le titre de meilleure bière au monde de type Session Bitter. Il s'agit de l'équivalent de la médaille d'or aux Olympiques pour ce prix reçu et un deuxième prix d'importance pour cette bière, puisque l'an dernier, celle-ci a gagné le prix Country Winner. Il n'est d'ailleurs pas surprenant que la bière Kirk du Corsaire ait gagné ce prix à Londres, car il s'agit d'une bière de spécialité britannique, faible en alcool et aux arômes fruités et maltés, bien qu'elle demeure entièrement québécoise. Qui plus est, en raison de ce prix, le Corsaire augmentera la production de la Kirk au cours de la prochaine année, et ce, afin de répondre à la nouvelle demande. 3 autres bières ont également été récompensées lors de ce gala, soit 2 prix Country Winner Canada pour la Brown Ale et la Bristol, ainsi qu'une médaille d'argent au Canada pour la Anne Bonnet. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une bonne nouvelle pour le pub Hyper Taverne Le Corsaire de Montmagny, situé au 130 rue Saint-Jean-Baptiste Est, puisqu'il vend toutes les bières de la microbrasserie, dont, évidemment, celles qui ont remporté les prestigieux prix. Les services récréatifs, culturels et communautaires de la ville de l'Apocatière sont heureux de vous présenter la programmation « Un vent de plaisir pour le loisir de vivre » qui sera distribuée le 17 août prochain dans 8 municipalités de la région.
Ville de la Pocatière, Municipalité de Saint-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Gabriel, Sainte-Louise, Saint-Onyxime-d'Ixworth, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Saint-Roch-des-Aunais. La programmation automnale vous en offre encore autant. Diversité, nouveautés et qualité à des goûts plus qu'abordables. En somme, de tout pour tous les goûts. Grâce à la participation de plusieurs collaborateurs, les activités feront sourire votre portefeuille. Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici des ateliers à surveiller. Cours de peinture à l'huile, Lego Mindstorm, Cœur actif, la marche réinventée, marche pour ta santé, gardien averti. Des formations sont également offertes à des prix plus qu'abordables comme la santé par l'intestin, quoi manger. Les jeunes et la famille ne sont pas en reste. De belles activités sont aussi présentées, notamment pour souligner la fête de l'Halloween et agrémenter les congés scolaires. Pour les aînés, la traditionnelle activité Danser-Danser est présentée le vendredi 29 septembre prochain au Centre Bombardier. Il importe de souligner la programmation de l'édifice Gérard Dallaire. Au menu, trois artistes dévoilant leurs talents au grand public. Des rendez-vous culturels à ne pas manquer et présentés tout à fait gratuitement. Vous retrouverez également l'offre de services du Centre de l'activité physique, du service de la formation continue et du soutien aux entreprises du Cégep de la Pocatière, de l'éducation des adultes, de l'école des Trois Maisons, ainsi que de la salle André Gagnon. Toujours populaire, le coût rabais vous permet d'économiser. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire au plus tard le 8 septembre. Les inscriptions débutent le 21 août prochain. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire en ligne en vous rendant au lapocatière.ca en cliquant sur le bouton « Inscription en ligne » pour accéder à la plateforme. Vous pouvez également vous présenter au bureau des SARCC situé au Centre Bombardier. Dans le dernier cas, vous devez compléter la fiche d'inscription qui se trouve sur le site Internet de la Ville au lapocatière.ca sous l'onglet « Vie communautaire au répertoire programmation loisirs ». En plus d'être distribué par la poste, la programmation est aussi disponible en ligne au lapocatière.ca. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les championnats nationaux jeunesse de la Légion avaient lieu à Brandon, au Manitoba, du 9 au 15 août. Dans les catégories respectives de marche et course, Anne Saint-Amand et Julien Bourgault, deux élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, s'étaient qualifiés aux championnats provinciaux de la Fédération d'athlétisme du Québec. Membres de l'équipe du Québec des Légions 2017, regroupant 45 athlètes et accompagnateurs, les jeunes ont affronté des athlètes de partout au pays. Les représentants de Côte-du-Sud ont tous deux gravi les marches du podium. Le vendredi, Julien a connu la déception en terminant 11e au 100 mètres en un temps de 11 minutes 12 secondes. Par contre, le lendemain, la détermination prenait le dessus. Julien Bourgault et Équipe Québec ont en effet fini en 3e position au relais 4 fois 100 mètres afin de compléter le podium. Le même jour, Anne Saint-Amand méritait également le bronze avec un temps de 17 minutes 17 secondes au 3000 mètres marche. Le dimanche 13 août, Julien Bourgault et ses coéquipiers, Joachim Généreux, Félix Thérien et Gabriel Simoneau, ont couru un autre relais aux 4 fois 400 mètres. Suite à l'épreuve, l'équipe du juvénile masculin a été récompensée des efforts collectifs par la remise de la médaille d'argent. Les championnats nationaux d'athlétisme de la Légion pour jeunes Canadiens dans les catégories d'âge U16 et U18 sont le seul événement sportif du genre au Canada. Ce championnat national permet aux jeunes, hommes et femmes, de participer, développer leur qualité de leadership et mieux apprécier la diversité en côtoyant d'autres jeunes athlètes de partout au Canada. Alors, encore une fois, bravo à ces jeunes athlètes de la région.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8125 personnes le font, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Mérani, Catherine et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. CMATV.ca. La météo, présentée par Laurent Deau-Portier-Fenêtre. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent Deau-Portier-Fenêtre. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurentdeau.com. Alors, à la météo, on a connu et on connaît de belles journées, du beau soleil, du temps du mois d'août. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit encore une belle journée sous le soleil. Et on va voir dans quelques instants le tableau. Donc, du soleil, mais il y a des possibilités d'orage à 60 %. Rien de bien important. On parle de 1 à 3 mm, oui. Alors, c'est 24 degrés. C'est au-dessus des normales de saison qui sont de 23 le jour et 13 la nuit. Et des vents du sud-ouest qui souffleront entre 15 et 25 km/h. Ce soir, risque d'orage à 60 % avec 20 degrés. La nuit prochaine, on parle de risque d'averse avec 15 degrés. Pour demain mercredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec 21 degrés, des vents d'ouest à 20 km/h. Jeudi, du soleil avec 23 degrés. Regardez, pas de petits nuages pour jeudi. Donc, une belle journée sous le soleil, 23 degrés. On rejoint les normales de saison. Une belle journée du mois d'août. Pour vendredi, bien, on parle de soleil, mais ça va être très nuageux et 22 degrés. On parle de possibilité d'averse en fin de journée. Pour samedi, bien, de la pluie, 5 à 10 mm avec 22 degrés. Ça se dégage au cours de la soirée ou de la nuit entre samedi et dimanche pour laisser place à du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux pour dimanche avec quand même 24 degrés. Pour lundi, c'est le retour du soleil avec 25 degrés. Mardi, du soleil avec des passages nuageux, 25 degrés. Donc, quand même, de belles prévisions, sauf pour samedi, où il y a de la pluie à l'horizon. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud, les prévisions à long terme. CMATV.ca.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimond, suivi de la danse sociale avec, en vedette, la samba. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Gino vous fera entendre des succès populaires et country. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi de Sissi Jam. C'est la fête tout l'été. Au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par le bureau de Maître Nathalie Dubé, avec qui nous sommes aujourd'hui. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Aujourd'hui, la dernière chronique, on a parlé des testaments. Oui. Aujourd'hui, on parle des recherches testamentaires et qui peut avoir accès au testament. D'abord, c'est quoi des recherches testamentaires? Quand, à quel moment on a besoin de faire des recherches testamentaires? Okay. Lors du décès, donc il faut s'assurer que l'on va travailler avec le dernier testament du défunt. Donc, pour ce faire, il y a deux recherches super importantes à faire. Une recherche à la Chambre des notaires et une recherche au Barreau du Québec. Chambre des notaires, elle va nous révéler si le défunt a fait un testament devant notaire et le Barreau du Québec, si le défunt a déposé un testament chez un avocat. Donc, les deux possibilités sont là. Ces deux recherches-là sont expédiées par Internet, il y a un système pour ça, et vont nous révéler un résultat qui peut être en blanc, donc la personne peut ne pas avoir fait de testament ou dénoter un testament notarié ou un testament devant un avocat. Mais si jamais elle avait fait un testament holographe? Ça apparaissera pas. Donc ça, holographe devant témoin, il n'y a pas de registre pour ça. Ça, c'est en fouillant dans les papiers du défunt, on voit s'il y a quelque chose qui a été laissé d'écrit à la main. C'est une des questions que je pose aussi lorsque les gens viennent me rencontrer après le résultat de la recherche. Je demande toujours, est-ce que vous avez trouvé un document qui peut avoir l'apparence d'un testament? Parce que c'est toujours le dernier qui a été écrit qui va s'appliquer. Donc, c'est important de poser cette question-là. Donc, les recherches nous permettent de bien travailler avec le dernier des testaments s'il est notarié, bien sûr, ou devant avocat. Cette recherche-là, elle est faite peu importe la date du décès. Par contre, les résultats, il peut avoir un certain délai à obtenir, dépendamment de la date de votre décès. Ça fait un petit peu drôle à dire, mais les notaires, on a l'obligation de faire nos rapports de testament-mandat entre le 1er et le 5 du mois et entre le 16 et le 20 du mois. Donc, deux fois par mois, les obligations d'un notaire sont d'envoyer à la Chambre des notaires tous les testaments et les mandats que l'on a signés pendant la période du 1er au 15 et du 16 au 30 ou 31. Donc, c'est pour ça que si on décède le 14 juillet, donc on sait que le notaire va faire ses recherches testamentaires, ses envois d'inscription à la Chambre des notaires plutôt, entre le 16 et le 20. Donc, le résultat pour un décès le 14 peut arriver dans la semaine du 25, 26, 27, 28. Par Mais contre, vous avez jusqu'au 31 juillet pour le mentionner à la Chambre des notaires. Jusqu'au 20, du 16 au 20. OK. Donc, c'est au 15 jours. Par contre, si vous décédez le 16 juillet, là, ce testament-là va se retrouver dans mon rapport du 1er au 5 août. Donc, le résultat va arriver un mois plus tard, même peut-être un mois et une semaine plus tard. Donc, ça fait drôle à dire, mais ça dépend de la date de votre décès pour le délai de réception des recherches testamentaires. Les recherches testamentaires,
c'est fait par qui? Donc, c'est fait par le liquidateur. Donc, souvent, les gens savent qui est nommé sur le testament. C'est cette personne-là qui nous appelle, mais ça peut être fait par toute personne intéressée. Donc, une famille qui ne savent pas, maman l'a nommé qui son testament comme liquidateur, on ne trouve pas la copie du testament, bien, un des enfants peut nous contacter pour faire la recherche testamentaire. Vous pouvez la faire vous-même sur le site de la Chambre des notaires, sur le site du barreau. Par contre, le délai est supplémentaire pour le faire. Parce que la recherche testamentaire, elle est faite après avoir obtenu la preuve de décès. Moi, comme notaire, je peux la faire avec l'attestation du thanatologue, donc le document qui provient de la résidence funéraire. Par contre, vous, si vous la faites seule, vous devez obtenir l'acte de décès émanant du directeur de l'État civil, donc qui est un petit peu plus long à obtenir, donc un petit peu plus long pour vos recherches aussi. Donc, et on ne peut pas, comme notaire ou peu importe comme personne, faire une recherche testamentaire si la personne n'est pas décédée. Donc, il faut avoir la preuve de décès à ce moment-là. OK. Mais la preuve de décès, ben, je suis un peu surpris. Le thanatologue, ou, je pensais que ça venait de l'hôpital ou je pensais que c'était confirmé par le médecin. Mais le thanatologue remplit un certificat d'attestation sur le décès, mais oui, le décès est constaté par le médecin et tout okay. ça, mais c'est les informations relatives au décès. Le thanatologue peut les confirmer donc sur un document. Maintenant, qui peut avoir accès au testament? Donc, accès aux résultats de recherche et au testament, donc bien sûr, le liquidateur. Donc, c'est la première personne que l'on va contacter. Donc, même si vous m'avez contacté pour faire les recherches et que je reçois le résultat, que je vois que vous n'êtes pas liquidateur, ce n'est pas vous que je vais appeler pour remettre le testament. Je vais appeler le liquidateur. C'est la première personne qui a accès au testament. Par la suite, qui peuvent avoir accès? Les héritiers, donc qui sont mentionnés dans le testament. Les héritiers qu'on appelle les légataires universels ou à titre universel. Que vous allez contacter, c'est vous qui allez les contacter? Je vais contacter le liquidateur. Si jamais je ne suis pas capable de contacter qui le liquidateur, lui va contacter les héritiers. Le liquidateur va contacter les héritiers. OK. Donc, les légataires universels à titre universel, donc c'est lorsqu'on lègue l'ensemble de nos biens à certaines personnes, ces personnes-là peuvent avoir accès au testament. Si j'ai fait un legs à titre particulier, donc je lègue mon auto à mon fils Ludovic. Donc, Ludovic, lui, il a le droit seulement de voir la partie qui concerne son legs parce qu'il reçoit un bien seulement dans la succession et non un ensemble de biens. Autre chose, maintenant, c'est clair, depuis le 1er janvier 2016, les dispositions du Code de procédure civile sont venues éclaircir une petite discordance que les juristes avaient, est-ce que les héritiers, les successibles, je vais utiliser le bon mot, est-ce que les successibles qui auraient pu hériter en l'absence de testament ont droit d'avoir accès au testament? Avant, la réponse était non, certains disaient oui, maintenant c'est tranché. La réponse est oui. Donc, votre mère a laissé comme héritier sur son testament votre frère et votre sœur. Vous êtes écartés du document. Avant le 1er janvier 2016, vous auriez pu être l'accès au testament aurait pu vous être refusé. Par contre, depuis le 1er janvier 2016, vous êtes un héritier qui aurait été là si votre mère n'avait pas fait de testament. Donc, vous avez accès au testament. Ça évite beaucoup, de troublants ou de zones grises. Parce que les gens, ah, t'es pas sur le testament, on te le montre pas. Mais là, maintenant, si vous étiez un héritier légal en l'absence de testament, vous avez accès aux documents. Fait que ça permet aux gens d'avoir le cœur net s'ils sont sur le testament ou pas. Donc, c'est. OK. C'est compliqué, hein? Moi, je vous écoute, là. Oui, vous êtes dans votre métier. Mais dites-moi, est-ce que on peut obtenir une copie du testament? Est-ce qu'on peut voir le testament si le testateur est toujours vivant? Oui. Ça, les gens vont se demander que c'est ça, cette question-là. Donc, je voulais glisser doucement avant la chronique. Parce que ça arrive souvent que j'ai des enfants qui ne font pas ça pour mal faire. C'est que leurs parents sont malades, sont à l'hôpital ou on sent que le décès approche et ils veulent savoir pour se préparer qu'est-ce qu'il y a dans le testament, qui est liquidateur et tout ça. Malheureusement, un notaire ne peut pas dévoiler le contenu d'un testament tant que la personne n'est pas décédée. Donc, la seule personne, l'exception qu'il y a, c'est sûr que vous avez fait votre testament, vous me demandez une copie, vous êtes vivant, c'est votre testament.
forcément je vais vous la donner. Par contre, c'est la seule exception. Je peux pas donner une copie de testament aux enfants si la personne n'est pas décédée. Et même après le décès, bien, il faut la preuve de décès, il faut la recherche testamentaire. Je peux pas délivrer une copie de testament tout de suite le lendemain du décès parce que j'ai pas la preuve encore que c'est le dernier. Souvent, on s'en doute, maman n'a pas fait d'autre, papa n'a pas fait d'autre, mais les règles sont strictes. Preuve de décès, recherche testamentaire, ensuite le testament. Donc, ça va vous prendre ça également aux deux paliers de gouvernement, aux institutions financières. Donc, partout où est-ce que vous allez avoir à faire une démarche chez les trois documents qui vous seront demandés dans l'ordre. Mais dites-moi, si on doit faire des recherches testamentaires, la personne décède, il y a des volontés à respecter, ça devient compliqué tout ça. Oui, les dispositions funéraires, moi j'en mets de moins en moins dans mes testaments parce que justement le document n'est pas accessible avant les funérailles. Okay. Donc je conseille aux gens de faire leur préarrangement funéraire ou tout simplement en parler à leurs proches. Je peux en indiquer des choses, mais si la copie n'est pas retrouvée avant les funérailles, moi, je ne peux pas dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans le testament avant. Donc, parlez à vos proches de ça, faites vos préarrangements funéraires, laissez des notes ou dites à vos enfants, vos parents, ce que vous voulez ou est-ce que vous avez laissé des notes là-dessus, parce que c'est le désavantage de ça. Si on met des dispositions funéraires dans le testament, on peut apprendre après les funérailles qu'est-ce qu'il y en est. OK. Donc, c'est de là l'importance, on en a parlé dans l'autre chronique, l'importance d'un testament, mais aussi, on voit aujourd'hui par cette chronique tout le travail qu'il y a à faire pour respecter les volontés, mais aussi de faire la liquidation des biens au moment du décès. Oui, c'est les premières étapes. Première étape d'un règlement de succession, les recherches testamentaires et la divulgation du testament. Et on termine en disant que vous ne pouvez pas obtenir une copie d'un testament si le testateur est toujours vivant, à moins d'une... Est-ce qu'il y a des exceptions? L'exception, c'est le testateur qui le demande. Il y a l'exception aussi lorsque vous pouvez mandater quelqu'un pour obtenir une copie, mais c'est rare qu'on le voit cet exemple-là. Très intéressant. Donc, vous voyez toute l'importance qu'il y a autour du testament. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut en parler. Moi, je retiens beaucoup ce que Maître Dubé nous a dit, c'est qu'on a tous une date à quelque part, donc vaut mieux être prêt, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la date. Exactement. Malheureusement, on sait beaucoup de choses aujourd'hui avec toutes les technologies, mais la date, on ne la connaît pas. Non, on ne la connaît pas, puis on ne veut pas la connaître. On ne veut pas connaître. Maître Dubé, merci beaucoup. Merci à vous. Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au 418-288-7227. Donc, 7727, pardon. 88-288, je vais l'apprendre par cœur. 288-7727, au 182 Avenue de la Fabrique, l'ancienne caisse Saint-Mathieu. Exact. Ça va être facile. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans deux semaines. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88-248-7727. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 15 du mois d'août 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du Québec. Mais je voudrais présenter toutes mes excuses aux jubilaires d'hier. Il s'est glissé une erreur par rapport aux anniversaires du 14 et je n'en suis que le seul responsable. Donc, toutes mes excuses et on reprend ça. Donc, hier, le 14, joyeux anniversaire à Maïka Landry. C'est de la part de Mamie Thérèse. Donc, hier, le 14, c'était la fête également à Mme Jeanne Caron,
de la part d'Huguette et également de sa nièce Jeannette. Donc, bon anniversaire, Mme Jeanne Caron, quelques minutes ou quelques heures de retard. Alors, toutes nos excuses. Bon anniversaire, Mme Jeanne Caron, qui est une fidèle téléspectatrice également. Bonne fête hier, le 14, à Chantal Nicole. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire, Chantal Nicole. Et aujourd'hui, le 15 août, c'est la fête à Guy Thibault. C'est de la part du Guette. Donc, je ne sais pas si c'est le Guy Thibault qu'on connaît, là, de Thibault GM, ou un autre, mais quand même, c'est la fête à Guy Thibault aujourd'hui, de la part du Guette. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez au 241-1313 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale et tous les fêtés de la semaine iront, pas eux, mais leur nom, dans la boîte de tirage, alors que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, en espérant que je ne fasse pas trop souvent d'erreurs comme celle-là. Alors, voilà pour les anniversaires de ce 14 et 15 du mois d'août. Dans quelques instants, notre collègue Renald Lavoie nous parle du 150e anniversaire de la fête du Canada. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Mass, est établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201 A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique podiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceurs, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie-Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offre des ateliers de création artistique libre ou supervisée. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CEMA-TV, rendu possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présenté par les MRC de Montmagny et Kamouraska. C'était la première fois depuis sa création, en 1867, qu'un événement d'envergure avait lieu. En 1917, le 50e anniversaire ne fut pas fêté, l'édifice du Parlement ayant brûlé un an plus tôt et la Première Guerre mondiale faisant rage. En tant que fils d'un des pères de la Confédération, Thomas Chappet prendra la parole à Ottawa en ce 1er juillet 1927. Les organisateurs de la fête avaient prévu aussi une activité à chaque endroit où avait vécu un père de la Confédération et des Boy Scouts venaient s'y rendre en délégation. Ne pouvant être présent à Saint-Denis, Thomas Chappet demanda à ses neveux, Charles Chappet et Joseph Barnard, de le représenter.
le colonel William S. Wood, M. Saint-Onge, le chef des scouts, et une vingtaine de scouts venant de Québec et de Charny, arrivèrent à Saint-Philippe par le train de midi, en même temps que Joseph Barnard. Charles Chappet et son fils, Petit Charles, les accueillirent à la gare et tous descendirent en voiture à Saint-Denis. La cérémonie, qui ne devait durer qu'une trentaine de minutes, se prolongera et se terminera vers 2 heures. Elle débuta par un mot de bienvenue du curé Fabien Dumais. Le colonel Wood déposa une couronne de feuilles d'érable sous le portrait et le marbre funéraire de Jean-Charles Chappet dans l'église paroissiale. Un représentant du conseil municipal fera de même avec une gerbe de fleurs naturelles. La majorité des maires du comté étaient présents, ainsi qu'une douzaine de prêtres et une foule nombreuse. Le député Georges Bouchard prononça un très beau discours, d'après Georgette Chappet. Le colonel Wood s'adressa à la foule en français et en anglais. Au nom de la famille, Charles Chappet prit aussi la parole. Thomas Chappet avait prévu, après la cérémonie et le départ du train à 17 h, un buffet au chalet. Pour ce faire, il expédia de Québec par le train 3 douzaines d'oranges, 3 douzaines de bananes, 3 douzaines de citrons, des liqueurs douces, ginger ale, vichy, limonade, fromage gruyère et Kraft, etc. Sans oublier des cigares et des cigarettes. Dans le cadre des fêtes du centenaire de la Confédération, le Centre culturel de la Pocatière a été conçu dans un complexe groupant un édifice municipal, un garage police et pompiers et enfin une salle de théâtre. Cette dernière partie est composée de 3 volumes distincts, soit d'abord un grand hall d'entrée, pouvant servir comme foyer, comme salle d'exposition, etc. D'un côté de ce hall se trouve un volume bas, lequel constitue un prolongement au service de l'édifice municipal, et il abrite principalement la salle du conseil. Cette partie de l'édifice est reliée directement à l'édifice municipal. De l'autre côté du hall s'érige le centre culturel proprement dit avec tous ses services. À l'arrière et adjacent au foyer se trouve une travée de services surmontée d'une mezzanine. À l'avant et au-dessous de la scène se trouve une travée de services de scène capable de desservir adéquatement une troupe de théâtre. La technique de construction a été conçue en fonction des grands espaces à libérer et la solution trouvée est complètement nouvelle. En effet, presque toute la structure, soit les éléments verticaux, aussi bien que les éléments de toit, sont en béton préfabriqué et précontraint. Les sections des murs en Y assurent la stabilité des éléments verticaux. Lors de la semaine de l'inauguration officielle du centre, tout la Pocatière était en fête. Dimanche soir, le 16 avril, à 8h30, le Théâtre des Quatre Sous présentait Love, une comédie de Murray Schegel. Mercredi soir, le 19 avril, à 8h30, spectacle de chansonniers, Les Frangins et Marcel Lefebvre. Vendredi soir, le 21 avril, à 8h30, soirée des jeunes, pour les jeunes, avec le groupe Les Bel Canto. À ce spectacle, les jeunes pouvaient danser. La mémoire de Sir Étienne Pascal Taché sera immortalisée dans le marbre gris à Montmagny. Vendredi, le 24 septembre 1971, avait lieu à Montmagny le dévoilement du monument Sir Étienne Pascal Taché. À cette occasion, M. Joseph Reynald Gay, député de Lévis à la Chambre des communes, représentait l'honorable Jean Chrétien, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans son allocution, M. Gay a déclaré qu'il était très heureux de se trouver dans la charmante petite ville de Montmagny et félicitait personnellement M. Jean-Julien Bourgault pour l'excellent travail qu'il a exécuté en l'honneur d'Étienne Pascal Taché. M. Taché lui-même éprouvait un grand respect pour la tradition de continuer M. Gay et cette statue à son image a été coulée dans le style traditionnel des figurines de bois typiquement québécoises, sculptées depuis 2 générations par la famille Bourgault. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. CMATV.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Kateri et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, encore une belle journée, mais il y a des possibilités d'orage à 60 % avec un 24 degrés comme maximum aujourd'hui. Des vents d'ouest ou sud-ouest qui souffleront entre 15 et 25 km/h. Ce soir, il y a une possibilité d'orage encore à 60 % avec 20 degrés au mercure. La nuit prochaine, on parle de 15 degrés comme minimum. On a des possibilités de précipitation, mais à 40 %, donc c'est faible. Pour demain mercredi, bien là, le soleil s'installe pour la journée. Ce sera quand même des températures sous les normales de saison, qui sont de 23 le jour et 13 la nuit, donc 21 degrés pour demain mercredi. Jeudi et vendredi, c'est du soleil. Il y aura plus de nuages pour vendredi, avec des températures qui oscilleront aux alentours des normales de saison. Voilà. Pour samedi, on parle de pluie. Vous allez comprendre qu'on est quand même très loin de la fin de semaine. Donc, cet important système qui devrait nous atteindre samedi pourrait changer de trajectoire, mais pour l'instant, on ne prévoit de la pluie. Dimanche, soleil avec de fréquents passages nuageux. Et la semaine prochaine débute sous le soleil. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimond, suivi de la danse sociale avec, en vedette, la samba. Ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Gino vous fera entendre des succès populaires et country. Samedi, assistez au spectacle en plein air avec Christian Paquette, suivi de Sissi Jam. C'est la fête tout l'été. Au Parc du Havre du Souvenir, route du quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 418-248-4444. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez rejoindre, si vous cherchez un emploi, au 418-248-9559, 248-9559 ou encore aller sur le site lecar.ca. Prolam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamflor.com. Donc rh@prolamflor.com ou contactez-nous au 88-246-5101. La résidence Manoir Saint-Louis, une entreprise familiale qui accueille des aînés autonomes et semi-autonomes, est à la recherche d'une personne pour effectuer l'entretien ménager et assurer le service aux tables. Temps partiel, 25 heures par semaine, une fin de semaine de travail sur deux, avec horaire de jour. Bonnes conditions de travail, RCR ou PDSB seraient un atout. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à résidence manoir Saint-Louis
hotmail.com. Donc, résidence Manoir Saint-Louis, tout ce qu'on dit communément, tout dans un mot, à commercial, hotmail.com. Seulement, les candidatures retenues seront rencontrées. Donc, le Centre en recherche d'emploi, si vous vous rendez sur lecar.ca, eh bien, vous allez voir que des postes sont actuellement offerts. Des acheteurs, on recherche également adjoint administratif au CAR Montmagny-Lillet, agent de service aux membres, chef des mets préparés. On recherche également un conseiller en recrutement au CAR de Montmagny-Lillet, électromécanicien, électrotechnicien, et Müller, et encore, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de CMATV, cmatv.ca, www.cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », et vous allez voir une multitude d'offres d'emploi disponibles dans la région. Vous savez qu'actuellement, eh bien, toutes les entreprises de la région sont en recherche d'emploi parce qu'on recherche beaucoup de main-d'œuvre dans la région. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et on le sait. Donc, CMATV a décidé de vous présenter les offres d'emploi, cette chronique qui vous revient les mardis et jeudis à la même heure pour tenter de rejoindre le plus de monde possible pour aider à combler les postes disponibles. Donc, cette chronique d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 288-9559 ou encore lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. Alors, hier soir, on apprenait le décès de l'ex-maire de Montmagny, M. Jean-Claude Croteau, qui est décédé hier, lundi, le 14 août. M. Croteau a été échevin ou conseiller de 1989 à 1993 et a été maire de Montmagny de 1993 à 2005. Il n'a pas toujours connu des années faciles au conseil municipal et on se souvient d'abord de la fermeture de Walpole en 2004 qui a causé bien des soucis au conseil municipal, particulièrement au maire de Montmagny. Également, c'est lui, me semble que c'est à l'automne 2004, j'ai pas toutes les dates, mais José Soucy procédera au montage d'une vidéo au cours de la journée d'un reportage sur la carrière et la vie de M. Croteau, que j'ai bien connu d'ailleurs, et parce que M. Croteau était venu me voir, ça fait peut-être tout près d'une vingtaine d'années, comme je dis, j'ai pas les dates en tête. Il était venu me demander, alors que j'étais propriétaire de la station CFEL, pour officier comme président du conseil d'administration pour démarrer les arts de la scène de Montmagny. Et j'ai accepté de prendre le défi. Aujourd'hui, je suis très fier de voir ce que sont devenus les arts de la scène de Montmagny. Et à ce moment-là, on voulait partir cette forme, ça prenait une culture, je cherche les bons mots, là, une procédure là, pour la culture à Montmagny, là, je cherche les bons mots, mais, et aussi on voulait partir, on voulait instaurer à Montmagny cette forme de culture à Montmagny, des spectacles et tous les arts de la scène, on voulait justement que la salle Edwin de Bélanger soit utilisée à cette fin. Donc, une politique culturelle, voilà le mot que je cherchais. Donc, M. Croteau est venu me demander d'assumer les fonctions de président du conseil d'administration et de former le conseil d'administration, ce que j'ai fait avec plaisir. J'ai été là 5 ans. Ça a commencé avec Guy Larochelle et après quoi Nathalie Cloutier s'est joint à nous et Christian Noël est devenu par la suite le directeur général des arts de la scène de Montmagny. M. Croteau
a fait beaucoup pour sa région. Il n'a pas toujours eu ça facile, et je le mentionnais particulièrement lors de la fermeture de Walpole. Mais dans le texte de José Soucy, on parlait d'un bâtisseur. C'est un homme qui croyait en sa ville. Il est originaire de Trois-Rivières. Il est venu s'installer au début des années 60 comme professeur d'éducation physique à la commission scolaire. Il a travaillé pendant toutes ces années avant de prendre sa retraite pour la commission scolaire, entre autres comme professeur d'éducation physique. Il a fait le camp d'entraînement des Rangers de New York. Jean-Claude Croteau était un excellent gardien de but. Alors, il y a de bons moments, puis on essaiera de vous résumer un peu la longue et grande carrière de Jean-Claude Croteau. Donc, c'est un grand homme qui nous quitte. Il a été très malade ces dernières années, donc c'est pour ça qu'on ne le voyait plus. Donc, je voudrais offrir toutes mes condoléances au nom de toute l'équipe de CMTV, à mon nom personnel, à Mme Marie-Andrée Boulay, à Joël, Jesse et Marie-Claude, ses enfants. Donc, nos plus sincères condoléances suite au décès de M. Jean-Claude Croteau. Si on regarde dans l'actualité d'autres faits, bien, on parle d'un labyrinthe grand comme 72 patinoires dans un champ. Bien, ça fait quelques années qu'on procède à la fabrication de ce labyrinthe-là. Mais là, cette année, Luc Pelletier, qui autrefois travaillait pour la ville de La Pocatière, maintenant se dit promoteur, bien, c'est lui qui a fabriqué. Mais là, il a vraiment fait de quoi d'impressionnant. D'ailleurs, sur LCN, ce matin, on parlait de ce labyrinthe. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir la photo, mais on met au centre de ce grand champ de la grandeur de 72 patinoires. Et vous voyez ici, là, c'est écrit « Kamouraska » avec un cœur. Donc, il dit que ce sera encore plus difficile que dans les autres années parce qu'il dit que ça prend tout près de 2 heures. Mais là, quand vous rentrez, on le dit, un labyrinthe, donc quand vous rentrez à l'intérieur de ce labyrinthe-là, ben, faut que vous en sortiez. Il semblerait que ce soit encore plus difficile que les autres années. Donc, bravo à Luc Pelletier, qui fait la une là, de tous les médias du Québec aujourd'hui, la présentation et l'installation de ce labyrinthe qui est ouvert depuis quelques temps, depuis quelques jours. Donc, si vous voulez aller vous amuser, eh bien, c'est à La Pocatière que vous pouvez voir ce labyrinthe. On parle beaucoup de ce cyclorama. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le cyclorama, mais on a décidé, parce que là, les propriétaires ont décidé de le vendre. Et là, le ministère de la Culture du Québec a dit on va garder le cyclorama comme patrimonial, bien patrimonial d'intérêt national. Donc, le cyclorama qui sera préservé dans sa forme actuelle, assure le ministre Luc Fortin. C'était à prévoir, on s'y attendait un peu. Donc, voilà. Des flammèches en vue avec le président des États-Unis. Écoutez, il ne fait pas la vie facile à personne, le président des États-Unis. On sait que le Canada a présenté ses objectifs en vue de la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Ça commence officiellement demain à Washington. Ce ne sera pas simple et c'est à se demander jusqu'où il est prêt à aller. On sait que dans le conflit nord-coréen, on sait ce qui s'est passé. Puis hier, ben, il est venu justement parler des événements qui se sont passés à Charlottesville. Donc, le président Trump, qui connaît des jours extrêmement difficiles et des fois même inquiétants. Donc, voilà pour les grands titres de l'actualité. Il y a encore bien d'autres choses, mais pour nous, c'est déjà le temps de se quitter. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. CMATV.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Il
Lentiris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Proxim 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxim Montmagny au service de la communauté, à l'aide des professionnels de la santé. 418-248-5595.